Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul Cézanne. Et aujourd'hui j'avais très envie en fait de vous partager mes dernières acquisitions Cézanne, du coup il va y avoir un petit peu de la nouvelle collection, un petit peu aussi des archives et également des choses que j'ai achetées en seconde main sur Vinted. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez voir les dernières pièces Cézanne que j'ai ajoutées à mon dressing depuis mon dernier haul, alors restez ici puisque je vais commencer tout de suite, c'est parti. Et je vais commencer par deux pièces que j'ai achetées durant la nouvelle collection de janvier, l'acte 1 je crois de la nouvelle collection. La première pièce c'est cette jolie chemise en lin. Donc c'est une chemise qui est 100% en lin avec deux jolies fleurs brodées, c'est vraiment ce qui m'a fait craquer, j'ai adoré ce petit détail là. En fait on a des fleurs de vraiment toutes les couleurs, donc il y a du rouge, il y a du bleu, du rose, du orange, du violet, du jaune, c'est super joli honnêtement, c'est vraiment un détail qui apporte beaucoup à cette chemise en lin. Sinon très simple et très basique, c'est leur modèle Tomboy qu'ils font dans beaucoup de couleurs, dans beaucoup de fantasy aussi comme ça, et c'est vrai que cette version là avec les petites fleurs brodées, j'ai vraiment craqué dessus, j'adore ça, ça va être absolument parfait pour ce printemps. Je l'ai porté, vous allez le voir dans les tenues, avec un jean et des espadrilles parce que c'est comme ça que je l'imaginais vraiment, mais elle sera aussi parfaite avec un short cet été, par-dessus un maillot de bain également, par-dessus une petite robe en lin blanche aussi, pourquoi pas, nouée en fait au-dessus de la jupe, au-dessus du short, à la taille, avec les manches un petit peu retroussées. Ça va vraiment être une pièce qui est très versatile pour moi en tout cas, et en fait il y a ce petit twist un petit peu plus original grâce aux fleurs brodées, c'est vraiment ce qui m'a fait craquer sur cette pièce-ci. Et quand je l'ai vue en fait dans le lookbook Cézanne, je savais qu'il fallait absolument que je me l'achète parce que vraiment j'ai adoré cette pièce. Alors au niveau de la taille, moi je suis partie sur un 38, je fais habituellement plutôt un 36 voire parfois un 38, mais en fait ce que je vous conseille vraiment avec Cézanne, et c'est ce qui marche pour moi, c'est que je suis toujours en fait les indications qui sont marquées sur la fiche produit. En l'occurrence ici il disait que si on hésitait entre deux tailles, il valait mieux prendre la taille au-dessus, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris une taille 38 et elle est parfaite, elle est un petit peu oversize, mais c'est le look aussi que je recherchais pour pouvoir justement la mettre par-dessus une petite robe par exemple en été, ou par-dessus un petit caraco, et puis pouvoir nouer ensuite la chemise un petit peu effet loose décontracté, c'est exactement ce que je voulais, donc elle a exactement la coupe que je souhaitais. Au niveau du prix, elle est à 90€, ce qui est un peu cher pour une chemise en lin, je vous l'accorde. Après voilà, c'est du Cézanne et le lin est très très joli honnêtement, c'est une très belle qualité. Et puis le lin c'est une matière naturelle, c'est une matière qu'on va pouvoir garder vraiment longtemps dans son dressing. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça valait quand même le coup. Et surtout les petites broderies elles sont vraiment super jolies. Je me demande si elles sont pas faites entièrement à la main parce que le détail est vraiment magnifique. Il n'y a pas du tout de fil qui dépasse. C'est vraiment très très beau et toutes les petites fleurs sont différentes les unes des autres. Donc vraiment c'est une chemise qui a été poussée dans les détails et c'est magnifique. Je vous présente du coup les pièces de la nouvelle collection en premier, comme ça celles-ci vous allez pouvoir facilement les acheter si vous les voulez également, puisqu'elles sont toutes les deux disponibles dans toutes les tailles, donc c'est du coup le cas également de cette petite pièce-ci. De toute façon comme d'habitude toutes les choses que je vous montre aujourd'hui seront en barre d'infos, tous les liens seront en barre d'infos, donc vous pourrez aller les acheter directement comme ça si ce sont des pièces qui vous intéressent. Mais voilà du coup pour cette première pièce qui est un énorme coup de cœur de mon côté, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment je l'adore. Deuxième pièce de la nouvelle collection, il s'agit de cette jolie maille. C'est une maille qui est assez fine, c'est une maille en fait qui est en coton, donc en 100% coton biologique sur celle-ci. C'est la maille qui s'appelle Marthe. Et j'ai vraiment craqué sur la couleur en fait. C'est vraiment le genre de couleur que je ne porte pas du tout, que je n'ai pas du tout dans mon dressing, mais j'ai vraiment adoré cette couleur. Vous la voyez un petit peu plus électrique à la caméra, j'ai l'impression, mais elle est un petit peu plus soft que ça. C'est un chambray bleu, ils appellent ça, c'est un bleu un petit peu vintage. Moi j'aime beaucoup en bleu un petit peu jean. Elle a de jolies manches ballon comme ça. Et en fait ce que j'aime beaucoup ici c'est vraiment les détails de torsade. Donc en fait on a vraiment de l'ajouré et des petits détails en relief. C'est vraiment une maille qui est encore une fois très travaillée de toute façon, comme beaucoup des choses que sont faites de Cézanne. Et ici encore une fois je ne suis vraiment pas déçue. Donc on a des manches du coup assez ballon qui sont resserrées ici au niveau du poignet. Et puis on a des petits boutons en fait tout le long, ce qui fait que du coup c'est un gilet, donc on peut le porter totalement fermé comme je l'ai fait ici, mais vous pouvez aussi le porter totalement ouvert du coup. Celle-ci par exemple je vous la montre portée avec un jean et encore une fois des espadrilles, c'est également comme ça que je l'imaginais, plutôt portée
au printemps avec ce genre de tenue, mais pareil, elle sera parfaite avec un short en jean et des petites sandales cet été, ou alors même actuellement avec un jean et des bottines, ça marche aussi. C'est une maille que je trouve vraiment versatile, qui est assez légère et qui tient pas du coup très très chaud. C'est pour ça que je dis qu'elle sera parfaite ce printemps et cet été. Mais on peut mettre un petit caraco en dessous par exemple pour la porter dès maintenant. Voilà, c'est vraiment une pièce super versatile que je sais que je vais adorer porter ces prochains mois, et j'ai vraiment hâte parce que c'est encore une fois un très gros coup de cœur sur celle-ci. Au niveau de la taille, je suis partie sur une taille S, j'avais commandé la taille S et la taille M, et au final la taille M était beaucoup trop grande pour moi, du coup je suis restée sur la S. Et en fait mon conseil sur celle-ci, c'est prenez votre taille habituelle dans les mailles Cézanne. Si vous avez l'habitude de prendre un S, prenez également un S sur celle-ci, parce que du fait de ses manches ballon et de la coupe assez droite, en fait je trouve que ça taille finalement assez bien, voire un peu grand. Donc voilà, si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille en dessous sur celle-ci. Et au niveau du prix, on est à 95€ sur celle-ci. Donc pour une maille du coup en coton qui va pouvoir servir un peu toute l'année, pour moi c'est encore une fois un énorme coup de cœur sur celle-ci. Celle-ci, elle existe aussi dans d'autres couleurs, elle existe dans un joli vert d'eau, et également j'ai vu qu'ils l'ont sortie en blanche, et honnêtement elle est très très belle aussi en blanche. C'est vraiment une pièce vers laquelle j'aurais pu me tourner aussi en blanc, mais c'est vrai que j'ai tellement déjà de mailles blanches que je me suis dit, tourne-toi vers une couleur qui change un petit peu, que tu vas pouvoir porter un petit peu différemment. Mais voilà, si vous n'aimez pas trop le bleu, et bien sachez qu'elle existe aussi en blanche et elle est magnifique également. Alors du coup c'était tout pour les pièces de la nouvelle collection. Maintenant je voulais vous montrer les pièces que j'ai gardées en fait des archives, sachant que j'avais quand même réussi à commander pas mal de choses, mais j'ai renvoyé la grande majorité. J'ai gardé en fait que deux pièces sur les à peu près 8 je crois que j'avais commandé, en plus des deux caracos que je vous avais montré déjà dans ma dernière vidéo, dans mon dernier haul Cézanne, je vous laisserai ici en haut si vous ne l'avez pas vu. J'avais réussi à avoir durant l'acte 1 des archives le top Paloma en noir et en écru. Donc à part ces deux pièces là, j'ai gardé du coup deux autres pièces. La première étant encore une fois une blouse, vous allez voir qu'il y a beaucoup de blouses dans cette vidéo. Je suis vraiment, ma tête est déjà au printemps et en été j'avoue, et du coup je me tourne beaucoup vers ce genre de pièces là. Donc c'est la blouse qui s'appelle Louise. C'est une blouse en 100% coton qui est blanche avec en fait des petites broderies rose, rouge, mais c'est un petit peu en fait vous voyez du vieux rose ou du vieux rouge, c'est très joli, ça fait un effet un petit peu vintage. Un peu dans la même idée en fait que la première chemise que je vous ai montrée avec les fleurs. Ici on est aussi sur la jolie broderie qui a été rajoutée par-dessus avec également des fleurs. Cette chemise elle a vraiment un petit côté vintage, c'est ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le petit rebord festonné qu'on a ici sur tout le long ainsi que sur le col. Donc on a des boutons en fait qui sont cachés par une première épaisseur comme ça. Et on peut remonter vraiment jusqu'au col. Donc tout en haut, personnellement je... C'est pas ce que je préfère, du coup moi je la déboutonne un petit peu. J'aime bien la rentrer également dans un pantalon. Et puis au niveau des manches, on retrouve en fait ce même détail ici de feston avec un joli petit bouton également. Celle-ci c'est pareil, je la vois très bien en fait portée cet été avec un short en jean et puis nouée un petit peu sur l'avant avec les manches un petit peu retroussées. Je pense que c'est un look qui va être très sympa aussi. Dans la tenue que je vous ai montrée, pareil, je l'ai portée avec un jean et des espadrilles. Vraiment, je vous dis, j'ai vraiment la tête déjà au printemps et j'ai hâte de ressortir ce genre de petite tenue parce que j'en peux plus du froid déjà. Donc c'est un petit peu ce que j'avais en tête avec cette petite blouse chemise-ci. Donc au niveau du prix, celle-ci, je l'ai eue à 45€ au lieu de 90, donc ce qui était plutôt une bonne affaire, je trouve. Et au niveau de la taille, j'étais partie sur un 38. Même chose en fait, j'ai suivi les recommandations de Cézanne qui disait de prendre une taille au-dessus si on hésitait entre deux, et elle est parfaite pour moi, donc encore une fois je ne regrette pas du tout ce choix. Et alors la deuxième pièce que j'ai gardée des archives, c'est cette pièce-ci, c'est la jolie maille Égide. Celle-ci j'étais très très contente de l'avoir aussi en archive. J'ai un petit peu eu du mal celle-ci à l'avoir. D'ailleurs si vous voulez avoir mes petits conseils pour choper les archives Cézanne, je vous ai fait toute une vidéo dessus la semaine dernière, donc je vous la laisse ici en haut pareil si ça vous intéresse. Sachant que les archives ne sont pas encore terminées, qu'il va y avoir certainement encore les retours clientes et puis peut-être un acte 3, qui sait. Donc du coup voilà, si vous voulez choper un petit peu ces archives là, je vous laisse la vidéo en haut pour vous informer un petit peu là-dessus. Mais du coup j'ai réussi à avoir cette jolie maille, ça n'a pas été facile mais j'ai réussi à l'avoir en taille S, donc qui est ma taille. C'est vraiment une maille sur laquelle je louchais depuis longtemps et j'étais très contente de l'avoir du coup aux archives.
Donc elle a en fait de grandes manches ballon comme ça, et puis elle est pareil resserrée au niveau du poignet. Elle a un petit peu la même coupe en fait que la Marthe que je vous ai montré juste avant. Ici on a des petits boutons aussi tout le long pour pouvoir la porter également en gilet. Et en fait ici ce qui change un petit peu des autres mailles que j'ai de chez Cézanne, c'est qu'en fait le détail il est juste ici sur l'avant, donc autour des boutons. Et du coup ça fait cet effet un petit peu plus peut-être minimaliste, peut-être un petit peu plus facile à porter aussi. Et au niveau des boutons, on est sur le même type de boutons que la Marthe aussi juste avant. Donc c'est des boutons un petit peu perles, assez épais. Le seul problème du coup avec ce genre de boutons, c'est que c'est très joli, mais c'est très difficile à enlever et à remettre. Un petit peu comme sur le Gaspard. Si vous avez le Gaspard de chez Cézanne, c'est le même type de boutons. Donc c'est des boutons qui sont un petit peu difficiles à... à mettre et à enlever tout simplement, c'est assez compliqué. Mais bon, à part ça, je veux dire, c'est une maille qui est vraiment magnifique. Dans le dos, elle est toute simple, il n'y a rien du tout derrière. Et celle-ci, au niveau du prix, je l'ai eu à 85€ au lieu de 100. Donc c'est pas une réduction énorme, mais sur une maille comme ça, je trouve que c'est pas mal quand même. Et c'est pour ça que je vous disais aussi que la Marthe, je l'avais prise en bleu, parce que ici, j'ai encore une maille blanche. Donc je commence à avoir un petit peu beaucoup de mailles blanches, donc j'essaye de changer un petit peu les couleurs, de varier un petit peu tout ça. Mais du coup voilà pour cette jolie maille-ci. Je vous laisserai quand même les liens des articles en archive en barre d'infos au cas où, parce que de toute façon il y aura certainement des retours clientes comme je vous le disais. Donc il y a des chances que ces pièces-là elles reviennent en stock, donc je vous invite à surveiller si elles vous intéressent. Comme ça au moins vous savez qu'elles étaient aux archives et qu'il y a de grandes chances qu'elles puissent revenir peut-être pendant les retours. Donc vous pourrez comme ça jeter un petit coup d'œil dessus. Et alors pour finir avec cette vidéo, je voulais vous montrer deux achats de seconde main, donc Cézanne, que j'ai fait sur Vinted. En fait, il s'agit de la même chemise que j'ai achetée dans deux motifs différents, donc celle que je porte ici et celle-ci. Donc en fait, c'est la chemise Claudio qui était sortie, si je ne me trompe pas, en 2021, peut-être au printemps, voire même début de l'année, je crois. Et je sais plus où est-ce que je les ai vues, mais j'ai vraiment craqué dessus et du coup, je me suis mis en quête de les retrouver absolument. Et je les ai trouvées du coup sur Vinted. Donc la première, c'est celle que je porte. Donc elle a en fait de jolis motifs de petites fleurs orangées et bleues. J'aime beaucoup les petites fleurs, je pense que vous l'avez assez remarqué durant cette vidéo. Il y a des petits boutons ici sur les manches au niveau du poignet pour resserrer encore une fois de jolies manches ballon. C'est vraiment un détail que j'adore sur cette chemise. Et puis après voilà, c'est une chemise assez simple, donc elle est boutonnée sur toute la longueur et les boutons sont recouverts en fait du même tissu et du même motif, ce qui fait du coup cette unité et ce qui fait qu'on ne voit pas trop les boutons. C'est une chemise qui est très transparente, là je porte par exemple un sous-vêtement couleur chair pour essayer de camoufler un petit peu, mais... parce que moi ça me dérange pas tant que ça, mais voilà, sachez qu'elle est très transparente. Mais c'est vrai que j'ai vraiment craqué sur le motif et sur la coupe aussi. Je trouve que c'est vraiment une chemise qui va pouvoir se porter encore une fois avec plein de choses. Que ce soit au printemps, comme je vous l'ai montré un petit peu, avec un jean et des espadrilles. Mais également par exemple en été, toujours avec une petite jupe ou par-dessus une robe nouée un petit peu comme ça à l'avant. Honnêtement, j'ai plein d'idées en tête pour cette chemise et j'ai vraiment hâte de pouvoir la porter et qu'il fasse assez chaud pour vraiment la porter, parce que c'est un énorme coup de cœur et honnêtement j'ai pas eu tant de mal que ça à la trouver sur Vinted. Il y en a plusieurs qui sont disponibles, du coup je vous laisserai encore une fois tous les liens de ces articles là, même voilà sur Vinted, pour que vous puissiez vous aussi vous les procurer si elles vous intéressent. Parce qu'évidemment celles-ci ce sont des anciennes collections, donc elles ne sont plus du tout disponibles sur le site de Cézanne. Donc la seule façon de les trouver actuellement c'est en seconde main. Mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs de disponibles, donc je vous laisserai un maximum de liens en barre d'infos. Et donc du coup la deuxième c'est celle-ci, donc c'est un motif différent mais c'est exactement le même modèle, exactement la même coupe, donc la chemise Claudio également. Et ici en fait c'était le motif Los Angeles ou fleurs de Los Angeles je crois, donc du coup c'est des petites fleurs un petit peu vintage, encore une fois un petit peu années 60, et ça fait cet effet un petit peu aquarelle, donc il y a des petites fleurs un petit peu jaunes, roses, bleues, violettes, tout mélangé un petit peu ensemble, et ça fait vraiment ouais, ce dessin un petit peu aquarelle qui est super joli et qui est intensifié en fait sur le bout des manches ici. Donc on a pareil deux petits boutons au bout, et puis après on retrouve exactement cette même forme, donc des manches un petit peu ballon, une coupe assez droite mais assez ample en même temps. Sur celle-ci par contre les boutons ne sont pas recouverts, c'est des boutons un petit peu plus simples,
mais c'est quand même très joli aussi. Au niveau de la taille, je les ai prises toutes les deux en 38. Pareil, j'ai hésité très longuement, mais j'ai réussi à retrouver la fiche produit, je ne sais pas par quel miracle, sur internet. Et du coup, c'était marqué que si on hésitait entre deux tailles, il valait mieux prendre la taille au-dessus. Donc c'est ce que j'ai fait, les deux sont en 38. Sur celle-ci, Fleur de Los Angeles, c'était nécessaire, je pense. Sur celle-ci, avec les motifs de fleurs orange et bleu, ça l'était un petit peu moins, mais j'aime bien l'effet que ça fait sur moi, donc ça me va très bien. Celle-ci taille un petit peu plus ample en fait que celle-là. Parce qu'en fait c'est le même modèle et la même coupe, mais elles ne sont pas faites de la même matière, du coup elles sont pas exactement pareilles. Celle-ci par exemple elle est en 80% coton et en 20% de soie, alors que celle-ci est en 100% viscose. Du coup voilà, ça donne pas exactement le même effet. Celle-ci est un petit peu moins transparente, bien que très transparente aussi. Mais du coup voilà pour ces deux petites blouses-ci que j'ai achetées du coup sur Vinted à un prix du coup assez raisonnable par rapport au prix de vente de départ. Bien que je dois quand même dire que les articles de seconde main qui sont vendus sur Vinted de la marque Cézanne sont quand même assez chers. C'est rare de trouver de très très bonnes affaires. Donc voilà, je vous préviens quand même, vous attendez pas à les trouver à 20 ou à 30 euros sur Vinted parce que ça sera pas le cas. C'est vrai que les pièces de seconde main Cézanne se revendent quand même assez cher. Mais je trouve que c'est quand même une bonne façon finalement de trouver des articles qui ne se trouvent plus sinon. Et puis de pouvoir aussi racheter la pièce à quelqu'un qui n'en veut plus. Voilà, ça permet de recycler un petit peu le vêtement, lui donner une seconde vie. Et je trouve que c'est quand même assez cool. Et peut-être qu'on n'y pense pas assez, en tout cas moi c'est vrai que je n'y pense pas toujours. Et là c'est vraiment un bon exemple pour le coup et je suis ravie de mes petits achats. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les pièces que je vous ai montrées vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !